s'arrêter, shooter, prendre le temps. C'était vraiment une bonne expérience de partir en van. Surtout pour un photographe où tu peux regarder de partout, t'arrêter un peu quand tu veux, quand t'as le temps. Et une fois arrivé en Autriche, c'est vrai que là, t'en prends un peu plein la gueule en fait. Tu veux t'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre un truc en photo? Il y a toujours une ambiance incroyable à Innsbruck, il y a toujours une atmosphère très spéciale, enfin, tout le monde est très, très proche, très détendu. Il n'y a que des sourires partout. Personne ne se fait la gueule, personne ne se déteste. C'est quand même rare dans ce genre de sport où la compétition elle est quand même là, quoi. Je m'organise pas vraiment avec les athlètes, eux ils sont là pour performer. Et si tu veux, c'est pas des shootings organisés. Leur riding, c'est la priorité pour eux. Et on crée pas de moments artificiels en fait, c'est vraiment juste. Tu shootes ce qui se passe, c'est ça qui est bien aussi. Woke to this oblivion and panties in my corner. Got this dip in my aura. Although I never saw her. Before I throw her out, let me see what she's talking about. Oh yeah, looks to me like it must have been good. Got a slobbing on my pillow, mouth open like it should. All I remember, y'all. People like the beast, cause the way it sounds. Shit's blowing up, how you like it now? We're moving up and we're never coming down. J'aime vraiment donner ce style un peu vintage argentique à les photos digitales. Maintenant, avec les technologies, on peut vraiment redonner ce style argentique à des photos digitales. Je mets vraiment tout sur l'editing, en fait. Bien sûr que la composition et le moment, c'est important, mais tu donnes un peu plus d'âme avec la retouche. Tu déroges juste après ta session, tu commences à regarder un peu ce que t'as. Et moi j'aime vraiment bien éditer juste après en fait. C'est toi qui choisis ce que tu veux montrer aux autres. Et c'est ce que tu vois toi. Et ça reste très subjectif aussi, la photographie. Enfin, tu peux jamais vraiment faire une photo d'une manière objective. Il y aura toujours ton œil, ton ressenti, tes émotions. Et c'est vraiment ça que je veux donner dans mes photos. C'est que ça me fait kiffer parce que tu ressens toute l'énergie qu'il y a là-bas. Lucas, il a fait un podium, c'est la première fois qu'il fait un podium au Crankworx. Là il est arrivé troisième. C'était vraiment top, sachant qu'on était en train de shooter avec Lucas chez lui il y a même pas un mois. On avait fait un beau shooting pour Eltony Maté justement.
Et je voyais qu'il s'entraînait vraiment beaucoup, il se mettait beaucoup de pression aussi. Et là, ça a vraiment payé, donc j'étais vraiment, vraiment content pour lui. Je tiens vraiment à remercier Fisherman pour le sponsoring sur ce projet, Jean Larenne pour le prêt du van, Montas pour le prêt de l'équipement, Title MTB et Eltony Maté aussi, mes partenaires avec qui je travaille depuis pas mal d'années maintenant. Et les Crankworx pour nous avoir accueillis comme chaque année maintenant depuis 3 ans.